Salut à tous et à toutes, c'est Desna. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout et de rien. Donc ici, c'est tout simplement une radio libre. Donc c'est simple, en fait, je vais vous parler un peu de ce que je fais et ce que je vais acheter. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que j'ai prévu normalement d'acheter ce mois-ci. Ce qui veut pas dire forcément que ça va vraiment être le cas. Ça pourrait très bien être annulé s'il y a un problème familial ou autre, enfin, la vie quoi. Du coup, si tout va bien, j'ai prévu d'acheter tout simplement un nouveau micro. Parce que ce micro-ci me plaît pas assez, la qualité n'est pas suffisante pour moi. Donc je vais en acheter un nouveau tout simplement. Je veux un micro avec une meilleure qualité que ça. Donc je sais sur les deux quels je flash, c'est sur le Bird humain ou sur la Blue Ball, Small Ball, je sais pas quoi là. Small Ball de chez Blue Yeti Enfin je sais pas le dire, mais en tout cas je pense que vous avez compris de quel micro, des deux micros que je parle. L'un est un peu comme celui que j'ai montré, enfin un peu comme c'est un micro sur pied, mais comme j'ai déjà un pied et tout ça, je pourrais très bien acheter ce micro là. Et l'autre, c'est un micro tout simplement sur une sorte de qu'on peut poser un micro sur table avec, c'est une sorte de grosse boule. C'est ça qui est stylé en fait, c'est ça que j'ai un coup de cœur pour ce micro. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Et donc voilà, ça c'est un micro que j'ai prévu d'acheter ce mois-ci. Donc j'ai hâte de l'avoir quand je commanderai, logique. Et voilà quoi, c'est sympa, c'est prévu. Oui, je suis un peu perdu aussi dans ce que je dis. Et c'est tout, bah en fait j'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça, enfin une petite vidéo, un enregistrement vocal, parce que du coup ici c'est que un enregistrement vocal, il n'y a pas d'autre chose derrière, hein. C'est simplement de l'audio, donc moi ce que je dois faire derrière c'est de cutter les moments de blanc, parce que ça oui, je vais quand même minimum faire du cutage au niveau des blancs. Hein, ça va, c'est pas du montage compliqué non plus. C'est à moi de pas faire trop long non plus. Et les aussi vont partir. Sauf celui-là pour vous dire de quoi les. Parce que si je dis. Mais les vont partir. Si vous entendez ça, vous allez dire. Mais de quoi ils parlent? De quoi vont partir? Bah oui, parce que j'aurais cuté le Donc du coup, ça va pas. Donc c'est pour vous dire ce que je dois retirer. Après, il y aura peut-être des qui resteront parce qu'ils sont au moment où je fais ça va, les gens. Vous voyez, à ce moment-là, quand je parle comme ça, ben, je peux pas trop retirer parce qu'il est lié à une suite de phrases. Sinon, ça va être bonjour. Ben, je sais pas comment le faire, mais en bref, ça va couper. Ça va couper. Tu vois, vous voyez, j'essaie de limiter. Imagine que j'aurais fait couper. Enfin, j'arrive pas à le faire, à donner un peu le truc. Mais en bref, voilà, je peux pas cutter tous les E que je vais faire. Il y a des moments où je pourrais pas les cutter, ça c'est normal. Et c'est voilà, par exemple, le E ici, ben ça je peux pas le cutter parce que c'est voilà, ça aussi par exemple. Enfin voilà, vous avez compris. Donc à part ça, ben c'est ma deuxième radio libre. Youhou! De meilleure qualité parce que j'ai réglé le son, parce que en fait si vous voulez, de base le son était trop fort, le son de mon micro je l'avais mis à 88. Oui, c'est énorme, c'est trop, vous allez me dire que c'est énorme et c'est trop gros, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai réduit le gain, il était à 88. Donc j'ai réduit le gain de qualité à ce niveau là et du coup ça doit être mieux maintenant en termes de son et de qualité. Voilà quoi, c'est tout. Vous voyez le et voilà, ça je suis. On verra si je suis coupé, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est pas mal quoi, c'est sympa. Et c'est pas parce qu'on enregistre que de la boisson qu'il faut pas faire du traitement derrière, hein. Bah oui. Il faut faire du traitement. Surtout que je vais pas laisser comme ça dans un fond noir quoi. Il va avoir un petit truc, une petite ambiance, un petit. Je vais mettre mon piñata avec l'effet de machin là. Et un peu de musique en arrière-plan, ça va faire une sorte de radio libre quoi. Mais par contre, je vais éviter que ça dure trop longtemps, pas plus de 5-10 minutes, parce que sinon ça va être trop chiant. Mais c'est vraiment babluté pour rien dire quoi. Donc voilà, c'est tout. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc c'était pour cette petite nouvelle là, c'est pour vous dire que voilà, j'ai tout simplement prévu d'acheter un nouveau micro. Oh, quel miracle, nous sommes tous heureux, oh c'est trop bien. Bon, après, vous allez me dire, personnellement, mec, je m'en bats les steaks de ta vie, puisque moi, ben, j'ai une vie de merde, et j'ai pas la thune pour me payer ça, donc du coup, tu me fais déprimer. Non, j'ai connu. Du coup, mais un peu techniquement, c'est un peu ça
c'est aussi un peu ça qui me fait bugger et qui me dit je fais ça parce que je m'emmerde chez moi en fait, mais c'est vraiment parce que je me fais chier chez moi, enfin chez moi, enfin je vais pas m'étaler dans la vie privée, je préfère pas, mais voilà, en bref je m'ennuie et du coup j'ai envie de faire quelque chose, du coup je fais des unboxing, je fais des vidéos gameplay et tout ça, mais c'est parce que je me fais chier en fait surtout aussi. Je sais pas quoi faire de ma vie, donc du coup je m'amuse à faire des trucs comme ça, mais il y a d'autres choses à faire aussi, je sais bien, je fais aussi du dessin, je fais du chant aussi, je chante, je fais en fait je suis multi, je fais aussi d'informatique, je fais du codage, j'ai codé un bot Discord en JS, en JavaScript, je touche à tout en fait, je m'intéresse vraiment à tout, et c'est ça aussi mon problème, c'est que je sais pas m'arrêter, je m'étends sur tout, je m'intéresse vraiment à tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte mais sympa, et aussi le fait de pouvoir tester. Ah oui, et le gain, si au cas où j'ai pas dit, je l'ai mis à 64 pour le micro. Je pense que c'est largement suffisant en termes de son. Je pense que j'avais augmenté le son à un moment parce que quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un souci avec le son et du coup je pensais que en augmentant ça allait mieux, mais je pense que c'est simplement la personne qui sait pas régler son micro. À bientôt, c'était Death Note. Bye bye.